Hey, cher entrepreneur, une des questions qu'on me pose assez souvent, c'est comment faire pour adapter mon entreprise à tous ces changements qui arrivent. Et je veux partager avec vous 5 règles que nous, on utilise pour améliorer tout ce qu'on fait dans notre entreprise et l'encheminer vers le changement. La première chose, c'est que tu dois commencer à réévaluer les nécessités de tes clients. Ce que tu faisais hier pour tes clients ne veut pas dire qu'aujourd'hui nécessairement on va continuer à fonctionner. Donc, tu dois réévaluer qu'est-ce qui fonctionne et continuer à le faire. Deux, identifie la valeur que tu donnes à tes clients ajoutés. Avant, tu donnais une valeur ajoutée qui n'est pas nécessairement ce qu'ils désirent avoir aujourd'hui. Donc, tu dois identifier et aller sur cette ligne. Élimine tout ce qui ne marche pas et commence à te pencher sur tout ce qui marche. Troisième, prépare ton personnel. Ça, c'est super important au changement parce que les gens, ils ont dit non, mais écoute, moi, mon gars, il a de l'expérience et tout. L'expérience, c'est une chose, mais cherche plutôt des personnes qui sont faciles à s'adapter aux nouveaux changements et aux nouvelles méthodes. Quatrième, analyse avec maturité la partie financière de ton entreprise parce que ça, c'est une structure. Tu dois avoir la partie financière en place et n'aie pas honte. Ok, de demander de l'aide parce que ça, c'est super important aussi. Ok, moi, je suis quelqu'un qui aime la vente, j'aime le marketing, j'aime le public. Mais quand on parle de la matière financière de l'entreprise et de la structure, j'ai pas vraiment envie d'être là parce que je suis un désastre. Donc, demande de l'aide. Et cinquième, il n'y a pas de changement si tu ne mesures pas le progrès de ce que tu fais. Donc, l'unique façon de pouvoir voir dans la vie si tu avances dans ton business ou pas, c'est quand tu vois qu'il y a du progrès. Si tu appliques ces 5 règles, je te rassure que tu seras à un niveau où tu ne te trouves pas aujourd'hui. Bonne journée et succès.